Qui est là, derrière le rideau, et son public l'attend, car avec lui, on va pouvoir se prendre du bon temps, repartir dans le passé, se changer les idées, il dit lui-même que c'est mieux que la télé. Oui, c'est un personnage qui en vaut la peine, c'est vrai, tout droit, issu de la montagne vosgienne. Fait frais, il joue avec les mots, standing sur ses sabots, son gilet en peau de vache sur le dos. Si vous le voyez, faut lui demander, hey, comment va Nani? Très bien, merci. Et c'est pas mieux possible avec toutes ses mimiques magiques. Sourire jusqu'aux oreilles, moustache élastique, unique. Attendons que je t'en cause et va t'en faire de la prose. Tiens, v'là les touristes qui viennent dans les Vosges. Il s'en va leur donner les poules à traire, ça faut le faire. En bus, visite guidée avec sa mère. Chez l'Albert, chez nous on a tant pété, si le bon Dieu le voyait. Du haut de ces nuages qu'il s'écoulerait. Si vous le voyez, faut lui demander, hey, comment va Nani? Très bien, merci. On applaudit. Il compte et il raconte tout ce qu'il entend. Mon Dieu, il te transforme tout ça pour faire rire les gens. Sérieux? La sécheresse, les canards, en passant par le corbillard, et te mets les parigots dans de la propos. Camille, Félicie, Guiguit et Maria, et Brutus sont connus de chez l'armée à l'Olympia. C'est par là l'Olympia, l'ordinateur en panne, a besoin d'une grève d'organes. On est le snack bord est lancé. Si vous le voyez, faut lui demander, hey, comment va Nani? Très bien, merci. Et si vous le revoyez, faut lui demander, hey, comment va Nani? Très bien, merci. Retrouvez. Vous allez retrouver, mesdames et messieurs, Claude Vanoni. Dominique Walter. Alors, voyons.